On se retrouve, c'est Sacha Loup. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les quoi, les poussiers. Donc là, il y en a un et l'autre, normalement, je l'ai. Voilà mon petit coco. Et là, l'autre. Imaginez, il meurt devant nous. Les pauvres, heureusement, ils meurent pas. Regardez. Voilà, des beaux bousiers. Alors, qu'est-ce que mange le bousier? Il y a des bousiers, plusieurs sortes de bousiers. Il y a des bousiers qui mangent des feuilles. Des champignons. Désolé si vous entendez le chien qui crie, je suis désolée. Mais voilà. Des champignons, des fesses de... Vous avez bien entendu, hein? Des fesses de... Ah, je sais plus le quoi, il faudrait que vous ayez. Enfin, écoutez, quand on les tient, il faut un bruit. Par exemple, regardez, je vais prendre lui. Moment de silence. Alors, pour moi, je pense que ce bruit-là signifie aidez-moi, aidez-moi, je suis coincé, quelqu'un m'attaque, je pense que ça veut dire. Le parcours est tout tranquille, il veut jamais parler. Et tout le temps. Oh bah moi je suis tranquille frère, tu veux quoi hein? Hein? Tu veux quoi hein? À part c'est mort. Là maman il est censé bouger. Vous savez bien ça aime pas être à l'envers. Hop hop hop. Lui il est en train de partir. Hop là tu reviens. Ah voilà c'est bon il est arrivé. Et l'autre on va mettre l'autre juste à côté tu vois. Voilà. Alors là j'ai un mâle et une femelle. Donc peut-être que je vais avoir des petits... ou pas. Moment de silence. Eh ben dis donc, c'est fou ça, c'est fascinant. Donc comme vous savez, les scarabées... Enfin, oui, les scarabées, donc les bousiers, c'est juste des sortes de scarabées. On est d'accord. Normalement, tout le monde doit être d'accord. C'est une sorte de scarabée. Mais ce scarabée-là, il peut nous servir à tout. Pour l'agriculture, pour quand il y a des vaches, à tout. Donc voilà. Moi, vraiment, je vous propose d'en prendre au moins deux ou trois. Parce que vraiment, si vous faites de l'agriculture ou des choses comme ça, vous pouvez en prendre, ça vous sert beaucoup. Par contre, vous vous mettez pas le jour, c'est la nuit qu'il faut les mettre. Et par contre, la nuit bouge très vite, donc il faudrait les mettre avec une sorte de clôture un peu. Je vous fais voir comment c'est à l'intérieur, je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà, je vous ai mis un peu de lumière. Regardez, il y en a un là. Alors, je sais pas encore, je les ai jamais vus, mais il y en a qui creusent. Eux, c'est ceux qui mangent les feuilles. Regardez. Les deux, ils sont là. Tout beau, tout propre. Donc voilà, c'était Sacha Loup. On se retrouvera pour une vidéo. Alors, une vidéo de quoi? Une vidéo sur... Mon nouveau serpent. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Bye bye, c'était Sacha Loup. Avant de vous quitter, je voudrais avoir 10 abonnés. Enfin, comme vous voulez, bref. Par contre, au moins, allez, dans les 10 likes, sonnez cette purée de cloche de notification et bombardez les pouces bleus. Et abonnez-vous. Peace. C'était Sacha Loup. Pi 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 pi